Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Quick Goggle pour votre iPod Touch ou iPhone, Jailbreakers le firmware 4.0 Plus. Quick Goggle c'est quoi? C'est une application qui est gratuite de Stadia. Dans le fond c'est un tweak. Puis ce qui fait ce tweak là, c'est pour ceux qui utilisent vraiment Goggle. Puis je vais vous montrer ça. Ce que ça fait, c'est via un mouvement par activator, admettons je shake mon iDevice ou je slide de gauche à droite sur mon barre de statut, ou je double tape ici, ou je touche mes boutons de volume, etc. Vous avez déjà utilisé Activator. Et bien, par une configuration, ça va popper ce petit pop-up-là, qui est Quick Goggle. Puis après, vous tapez votre recherche, puis vous cliquez sur Goggle, puis automatiquement, ça va ouvrir Safari avec la recherche que vous avez faite sur Goggle aussi. Alors, si vous aimez bien Goggle, puis vous faites souvent des recherches, je vous conseille cette application-là, c'est vraiment utile. Puis je vais vous montrer comment il fonctionne. Alors c'est Quick Goggle, vous l'installez et confirmez, il est gratuit sur Cydia. Alors il n'y aura pas d'icône sur Springboard de votre appareil, il faudra aller dans les réglages. Alors moi je m'en vais dans les réglages. Par la suite dans les réglages, on descend, on s'en va ici, dans Activator. Activator, là vous devez choisir dans le fond quel mode d'activation vous voulez. Moi je vous conseille de le mettre at home screen, dans le fond lorsqu'on est sur notre Springboard. Parce que sur le lock screen, ça donne rien. Puis quand vous êtes dans une application aussi. Fait que, at home screen. Fait que, mettons, on va me prendre Shake Device. Qui est dans le fond, brasser votre appareil. Puis là, vous dites activer Quick Goggle. Qui est ici. Open Quick Goggle Search Field. Cochez ça. Checkez en haut s'il est là. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer les settings. Alors là, je suis sur mon home screen. Qui est mon Springboard. Puis là, j'ai juste à shaker mon iDevice pour que Quick Goggle apparaît. Alors, je le shake. Oups. Un petit peu plus fort. Et voilà. Fait que le Quick Goggle apparaît. Puis là, on peut voir Cancel pour le canceller. Puis la recherche Goggle. Alors, je le refais. Quick Goggle. Admettons, je vais taper iPod Touch is a Pro. Tiens, de même. Admettons, je tape ça. iPod Touch is a Pro. Puis là, vous appuyez sur Goggle. Dans le fond, votre recherche. Puis vous appuyez ici. Automatiquement, ça va ouvrir Safari. Puis ça va atterrir sur la recherche que vous avez faite sur Goggle. Alors là, je suis en 3G, c'est un petit peu slow. Là. Et voilà. Fait que là, vous atterrissez directement là-dessus. Puis vous avez toute votre recherche sur Goggle. Alors, c'était pas plus compliqué que ça pour l'application Quick Goggle. Pour votre iPod Touch ou iPhone, Jailbreakers, le firmware 4.0 ou plus. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesapo.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal YouTube tout simplement en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais qui est situé au-dessus de chaque vidéo ici. Et en cliquant sur s'abonner, vous allez être abonné à ma chaîne de YouTube Hello3 IsoPro pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur les iPod Touch, iPhone et iPad. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour rester actualisé aux nouvelles importantes le plus rapidement possible en cliquant sur « Suivre » ou « Follow » en anglais sur mon profil Twitter directement, comme ça. Alors, c'est ça. C'était iPod Touch is a Pro. Merci.